Bienvenue à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Face Télévision à la une. Un rêve retrouve en ce jour sa réalité, la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de Mongafula à Limba Imbu, de l'érection d'un centre de captage d'eau potable de la Régie des eaux se matérialise en ce jour. Le président de la République a inauguré ce centre qui va desservir la commune de Kinsensu, Kimbanseke, Njili, Ntsele, Mongafula et une partie de l'Unikin. À l'arrivée du chef de l'État, notre équipe sur place a récolté quelques impressions. Suivez. Madame, il y a un adage congolais qui dit que l'eau c'est la vie. On ne peut pas vivre sans l'eau. Nous sommes venus ici assister à l'inauguration d'une grande usine qui doit servir à une grande partie de l'équipage en eau potable. Et donc, ce sont les travaux qui ont pris 30 mois et aujourd'hui c'est l'inauguration. Nous sommes venus palper du doigt. On n'a pas voulu attendre devant les médias, mais on effectue une descente. Voici la descente qui est effectuée. Et au retour, nous saurons maintenant comment décortiquer et critiquer, voir ce qui a été fait et ce qui devra être fait par la suite. Beaucoup de gens disaient que ce sont des promesses non tenues. Mais en voici la réalisation. Je crois que cette usine servira et les opposants et ceux-là qui sont au pouvoir, même les démons, vont toujours consommer cette eau sous le régime de Tshisekedi. Donc c'est non commun. L'eau maintenant, c'est comme un stade. Nous sommes à la primature relance de production du zinc à haute teneur et pose de la première pierre pour la construction de son usine à Kipushi, province du Haut-Katanga, ce mardi 23 août 2022. C'est le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé qui a présidé la cérémonie après l'arrêt de l'exploitation il y a plusieurs décennies. Suivez ce reportage de Marcelo Kalinda. C'est une grande délégation composée de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, de la ministre d'État en charge de portefeuille, Adel Kayinda, du conseiller principal du chef de l'État en matière des mines, une délégation chapeautée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui est arrivé à Kipushi, province du Haut-Katanga, dans l'objectif de relancer l'exploitation de la mine de zinc de haute teneur d'une vieille usine de 100 ans et dont les travaux étaient aux arrêts depuis plusieurs décennies. Après des longues négociations, la reprise des activités se conforme à l'engagement du respect du nouveau code minier congolais, puis une construction d'une usine de traitement. Voici le lieu de mentionner la nécessité de faire bénéficier, et je remercie parce que ça a été mentionné par le DG de Kipo, de faire bénéficier la présence de cet investissement aux entrepreneurs locaux dans le cadre de la sous-traitance. Il s'agit là d'une obligation légale de chaque entreprise qui s'installe dans notre pays. Nous exhortons donc l'entreprise Kiko et ses actionnaires, que sont Gécamines et Ivanhoé, à œuvrer aux côtés de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette contrée, notamment dans la diversification du tissu économique autour de Kipushi, en attirant des investissements dans l'agro-industrie, dans les services de la petite industrie, et ceci permettra certainement de résorber le grand taux de chômage et garantira la paix sociale. C'est la société Kipushi Corporation SA, une joint venture entre la Gécamines et Ivanhoé Mines, dont 32% seront détenus par la Gécamines. Une satisfaction pour le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, qui voit dans cette relance la réduction du taux de chômage des jeunes de sa province. Parlons éducation à présent, rentrée scolaire.
2022-2023. On en parle dans cette édition. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a au cours d'un briefing avec Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, rassure l'effectif de la cérémonie officielle sur toute l'étendue du territoire national pour le 5 septembre prochain. Suivez ces reportages de Sanglar Manzambi. Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a tenu à fixer l'opinion sur l'effectivité de cette cérémonie. Si les membres syndicales ont accepté de pouvoir nous assurer une rentrée scolaire effective, apaisée, qui respecte les calendriers scolaires de manière à ce qu'ils ne soient pas perturbés, nous voulons privilégier la qualité des enseignements et des apprentissages. Les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami. Et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. Sur les acquis de la gratuité de l'enseignement, le patron de l'EPST reste confiant de son effectivité. En ce qui concerne la gratuité, je peux vous assurer, avec les principes de travailler sur terre et en contact permanent avec nos cadres provinciaux, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue du territoire. Je l'ai dit, sans peur d'être contredit ici, la gratuité est effective avec toutes les itinérances que nous venons de parcourir, et je précise, dans toutes les écoles primaires publiques. Répondant aux questions des chevaliers de la plume, Tony Mwaba rassure que même dans des zones à conflit, les élèves ont bel et bien passé l'examen d'État. Occasion pour ce scientifique, à la tête de ce secteur de l'éducation, d'interpeller les prophètes du malheur. Les écoles de prestige, les Boboto, les Bossandani, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement, aujourd'hui ces écoles touchent 2 450 000 francs. On a ajouté 2 405 000 sur ces écoles. On vous dira qu'on le fait. Alors. Restons sur le briefing, cette fois-ci pour parler de l'affaire résurgence du phénomène Kuluna à Kinshasa. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, en a parlé à la collaboration et en a appelé plutôt à la collaboration de tous et à la coopération de ces jeunes pour leur réinsertion sociale prônée par le gouvernement. Marcelo Kalinda et Sanglar Manzambi nous font le point. La résurgence avec cruauté de la délinquance juvénile, communément appelée Kuluna, inquiète le gouvernement de la République. Au dernier débriefing du gouvernement sur la rentrée scolaire tenue avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembe, a fait mention sur cette question d'actualité. Nous travaillons étroitement avec des structures, notamment, et vous voyez souvent, l'honorable Jean-Marie Lassi, qui travaille de manière étroite avec la police. Kuluna est un criminel. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une violence inimaginable. Moi, j'habite Banda jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là et nous les dénonçons. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai tenu moi-même une réunion avec l'honorable Kuluna à ce sujet. Ils ont commencé par la partie des Kintsuka, évidemment avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation d'abord. On vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai lisé ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales du service national. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'y arriver, de régler la question. Mais malheureusement, ça va nécessiter du temps et ça nécessite à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'ici, nous voulons avoir des parents comme alliés. Parce que lorsque nous reviendrons avec l'autorité de l'État de manière sévère, il y aura encore des rapports qui viendront dire « Ah, vous, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Ayant à l'esprit qu'aucune décision ne fera l'unanimité, le gouvernement doit prendre des mesures courageuses pour le salut du peuple.
Changeons de chapitre à présent, rentrée politique pour Vital Kamerhe, président national de l'UNC lundi dernier. C'est sa première sortie politique après son acquittement par la justice. Vital Kamerhe est passé à plein fin de la situation du pays dans ce propos recueilli par Junior Dinanga. Suivez. Les matières premières, cuivre, diamant, cobalt, manganèse, cassitérite, coltan, l'or, tous les tableaux de Mendeleïev se retrouvent à quelques différences près dans ce pays. Donc, notre pays peut aujourd'hui résoudre ce problème de l'humanité, mais malheureusement, ça se fait chaque jour aux dépens des Congolais. Nous parlons ici des produits stratégiques. Quand le monde commence à basculer vers l'automobile électrique, à 75% les regards sont tournés vers la République démocratique du Congo. Je ne vais pas vous rappeler la superficie des terres arables, accessible tout de suite, 80 millions de terres. Irrigable, 40 millions de terres. Et les calculs, les études qui ont été établies confirment que nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus. De quoi résorber deux fois le déficit alimentaire mondial. Est-ce que ce n'est pas une chance pour l'humanité, notre pays? Mais pourquoi nous devons continuer à nous lamenter? Le développement de la République démocratique du Congo dépend des Congolais, bien plus d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé et qui mette tous les Congolais au travail. Le Congo a la vocation d'être la locomotive d'Afrique et non pas à la queue parmi les pays les plus pauvres de l'humanité. Faisons un tour à Maïndombe, conflit interethnique de peuples Teke et Yaka. On signale que plusieurs villages sont complètement vidés dans le territoire de Kwamutu, province de Maïndombe. Les jeunes de la cité Kwamutu, chef-lieu du territoire, munis d'armes blanches, organisent actuellement des veillées dans l'idée de repousser une imminente attaque des hommes armés. Les conflits interethniques qui sévissent ces derniers jours au territoire de Kwamutu dans la province du Maïndombe entre les tribus Yaka et Teke prend de plus en plus une allure inquiétante. Le dernier affrontement en date s'est lui enregistré le vendredi 19 août dernier au village Masiakwa, localité située à plus de 65 km de la cité de Kwamutu, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms. Le bilan provisoire de ces attaques fait état de 5 morts dont plusieurs blessés graves, dont les chefs coutumiers du village Masiakwa et sa femme décapités. Comme les images le disent bien, la hache de guerre entre les communautés Teke et Yaka est loin d'être enterrée, nous renseigne non seulement la population, elle, très touchée des affrontements en répétition, ses plaintes du silence radio des autorités nationales ne prennent pas sommeil à cause de l'insécurité grandissante qui sévit ces derniers jours dans les territoires de Kwamutu. Elle en appelle à l'implication totale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à déployer une équipe des agents de l'ordre à Kwamutu pour mettre hors état de nuire ces assaillants qui sont armés jusqu'aux dents. Et d'ajouter que ces assaillants qui opèrent sur une grande partie du territoire de Kwamutu sont munis des armes de guerre. Conséquence, plusieurs villages sont vidés de leurs habitants. S'agissant de la prison en charge des victimes blessées lors de ces affrontements, elles sont transférées à l'hôpital général de Kwamutu pour bénéficier des soins intensifs. Il convient de signaler que une délégation du gouvernement provincial conduite par Madame le gouverneur Rita Bula est arrivée ce samedi à Kwamutu en provenance de la ville du Nongo, chef de l'État du Maïndombe, avec comme objectif restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Prenons cette information en bref, placée sous contrôle de l'inspection générale de finances depuis une année, à la fin de la mission de l'inspecteur assermenté de l'IGF vient d'être annoncée pour la province de Lualaba. Jules Alinguete a fait cette annonce lors de son
passage à Kolwezi estime que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être fier de cette province qui matérialise sa vision en termes d'encadrement des recettes et réalisations sur terrain en faveur de la population. Le patron de l'Inspection générale des finances a également exprimé son satisfaction d'apprendre que le gouvernement provincial, avec à la tête Fifi Masuka Saini, a épuré plusieurs dettes contractées il y a quelques années passées. Encore une fois, prouesse de FARDC dans la province de l'Ituri sous état de siège. Un autre leader du mouvement terroriste ADEF est tombé dans les filets de l'armée régulière, lui avec deux autres éléments. L'opération a été menée dans la région de Boga et Walese Vonkutu. Le voilà présenté devant le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboya Kachama. Suivez. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Ituri. Un leader des ADEF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dont la chefferie de Walese Vonkutu, au sud du Rumu, et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga, lors des opérations, ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur monsieur autoproclamé général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri, à un certain moment, était devenu le couloir de la mort, où les ADEF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était deux fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. De parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchédia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADEF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir plus de autour de 20 ADEF, n'est-ce pas, capturés, nombreux, neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ce gouvernement provincial. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADEF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Quittons l'Ituri pour le Nord Kivu. Une femme âgée de 46 ans a trouvé la mort suite à ce virus annoncé. C'est une annonce faite par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani. Cette résurgence se passe une année après la disparition totale de la maladie à virus Ebola à l'est du pays. La confirmation nous vient de l'INRB de Goma après le test de l'échantillon. Rappelons qu'en 2018, la maladie à virus Ebola avait fait plusieurs morts dans la province du Nord Kivu, précisément à Beni. Parlons sport pour boucler cette grande édition du journal. Le football club féminin Amani a pris possession de la pelouse tanzanienne ce matin, effectivement, Dar es Salaam, première séance d'entraînement à Dodoma avec notre porte-parole Abala. Suivez-les, il est au micro de Josué. Le football club féminin Amani
participe à un tournoi international au capital commercial de la République tanzanienne où le protégé de Charles Kasongo vont débuter la compétition le 25, deux semaines au jeu blanc de Kinshasa pour bien défendre leur sacre du tournoi international remporté à Dakar au Sénégal. Les filles sont obligées de ramener la coupe en RDC pour bien faire l'image du football féminin au niveau de l'Afrique mais aussi au niveau de la RDC. Retenez que pas de joueuses à l'infirmerie, l'équipe, les filles sont en train de débuter leur première séance d'entraînement. Derrière moi, nous sommes comme ça au complexe Shell où les filles sont en première séance d'entraînement avant de rejoindre le stade où ils vont débuter la compétition. Depuis Dodoma, capitale commerciale de la Tanzanie, Fred Abala pour les comptes de Fast TV. Vous avez compris que c'est notre envoyé spécial Fred Abala. Merci, vous étiez nombreux en train de nous suivre en ce moment. Nous voici à la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Josué Kinanguiti. Merci à l'équipe technique, à l'équipe rédactionnelle de Face Télévision. Bonne suite de nos programmes.